J'accueille Olivier Masmonteil à l'occasion de la sortie de sa monographie. Alors c'est un mystère, j'ai pas encore vu l'épreuve du livre. Je suis très impatiente, j'ai vu quelques bribes pendant la construction et j'ai déjà montré quelques toiles d'Olivier précédemment. Mais c'est la première fois qu'on organise vraiment quelque chose de consistant, entre guillemets. Je suis très fière de présenter son travail. J'ai l'impression que plusieurs thématiques qui lui sont historiques, qui sont en train de s'imbriquer, parfois se défaire, revenir. Il y a tout un, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a comme un va-et-vient entre différentes thématiques qui lui sont chères. Il est presque provocant aujourd'hui dans sa manière de travailler et de enfin, sa manière de peindre est presque une provocation par rapport à l'histoire de l'art actuel. Et je trouve très agréable de pouvoir imaginer une œuvre en situation. Et puis ça permet aussi de mixer des pièces différentes, c'est-à-dire qu'une très 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 belle table conçue par un artiste a un intérêt de vivre avec un sublime tableau réalisé par Olivier. Je pense que tout ça se marie et s'auto-nourrit et ça nourrit aussi les spectateurs, les collectionneurs qui peuvent voir ça.